Bonjour. Vous avez pas vu Andrea? Il est derrière, regarde. Andrea, vous avez votre rendez-vous avec le Jap? Ouais, j'arrive. Je suis sûr que des ans, ça n'était plus. Eh mais, vous avez vu l'état de la cuisine, hein? Vous allez avoir des cafards, hein? Ouais, les cafards, ils sont en unité 4, ils sont... Si j'étais vous, je rigolerais pas, c'est insalubre ici. Bon, Andrea, vous venez ou j'annule votre job? Ça fera bonne impression. C'est bon, j'arrive. Alors, tu peux toujours nettoyer si tu veux. Pardon? Si tu trouves que c'est sale, fais quelque chose. Je suis pas votre serviteur. Tu es quoi alors? Votre surveillante et arrêtez de me tutoyer. Allez, on joue au cartes, hein, pour pas te faire un giro. Quoi? Va conduire Andrea, ça t'occupera. Vous appelez comment? Vous me présentez tout de suite vos excuses ou je fais un rapport? Bon, ouais, ouais. À quoi tu joues? On n'est plus à Paris ici, hein. Je m'appelle Ours. Et après? Vous nettoyez? Hey, les gars, c'est quoi le sujet là? Le sujet, c'est qu'elle veut qu'on nettoie. Non, je veux rien du tout, c'est pas ma cuisine. Mais si vous nettoyez pas, ça veut dire que vous êtes incapable de vous autogérer et on finira par fermer l'office. Ah, voilà. Tout de suite, les menaces. Non, c'est pas des menaces, c'est des conseils. Le ménage, on le fait le dimanche. Mais vous voyez pas que c'est sale? Mais qu'est-ce que tu dis? On est bien plus propre que toi, ça tu peux en être sûr. Non, vous êtes sale. Excusez-moi, une cuisine comme ça, c'est être sale. Vous êtes trop sale. C'est tout. En français, reculez, reculez en français. Les gars, la raison, vache. On peut nettoyer, c'est dégueulasse. Qui c'est qui va nettoyer? Moi, je veux bien le faire, hein. Et si tous ceux qui servent la cuisine, ils s'y mettent, en 5 minutes, c'est plié. Ouais, vas-y, dis la raison. Allez, yo.